Et recoucou les amis doux, c'est les amis doux. Nous sommes le 19 juillet, oui encore, et il est 21h21 hein, pour tout vous dire, hein, pour rien vous cacher. Et je reviens vous parler d'un service presse que j'ai eu grâce à NetGalley France et qui est le tome 1 d'une bande dessinée qui s'appelle Ouki et qui est illustrée et scénarisé, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, par Myriam Bonastre-Tur. Ou Bonastre-Tur, je ne sais pas, parce qu'elle est espagnole. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé espagnol que je ne sais plus les accents. Je me suis régalée dans cette lecture, parce qu'on y suit deux jumeaux, frères et sœurs, qui sont sorciers. Et... ils vont leur arriver plein d'aventures. Et je vais vous lire le résumé pour pas trop spoiler parce que c'est tellement vite fait que même le résumé peut-être peut spoiler. Je vous dis ça de suite. Dany et Dorian sont sœurs et frères, jumeaux et descendants de la prestigieuse lignée des sorciers White. Après avoir raté le bus de l'école de magie, ils décident de se chercher un professeur perso sans rien dire à leurs parents. Mais ils vont ainsi surtout se trouver de sacrés ennuis. Car les sorciers ne sont pas tous aussi bienveillants qu'eux, et certains organiseraient même un complot. Ils vont se retrouver pourchassés par plusieurs familles magiques puissantes qui pensent que l'un des deux est le roi sorcier d'une prophétie. Heureusement, ils peuvent compter sur un groupe d'amis unique en son genre pour régler tous les malentendus que leurs bêtises ont causés. Mais peuvent-ils aussi les régler les conflits du royaume une fois pour toutes? Entre aventure et humour, une série carrément magique dans tous les sens du terme. Et je suis tout à fait d'accord avec ce résumé. Du début jusqu'à la fin, on s'éclate avec les personnages. Moi, personnellement, je suis tombée en amour... des deux jumeaux, ils sont vraiment... on voit qu'ils sont, soudés, ils sont liés, ils sont en osmose, il n'y a pas d'autre mot. Et il en arrive, quoi, ils font des âneries. Bon, c'est surtout Dany hein, qui fait des âneries. Mais je vous laisse découvrir ça dans le tome, parce que... Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler tellement c'est fantasque. C'est... Puis la magie, en effet, elle a voulu rendre hommage ou s'inspirer du monde d'Harry Potter. Et voilà, quoi, ça fait vraiment un effet bœuf parce que ce livre est génial. Et là, ouais, il me tarde vraiment d'avoir la suite. Et je crois savoir qu'il y en aura trois tomes en tout. En fait, il y aura trois tomes en tout. Donc, c'est une trilogie, apparemment. Et il me tarde vraiment de continuer la suite des aventures de Dany et Dorian. Je n'ai rien de plus à vous rajouter. Mis à part que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, cette vidéo sortira un peu plus tard que les autres, ainsi que la précédente que j'ai tournée. Parce qu'au moins, ça vous laisse le temps de respirer. Et moi, ça me laisse le temps de lire les trois... Et voilà, je me suis retrompée. Les trois que j'ai à lire en ce moment, c'est surtout la famille Anne qui me porte peine. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, je radote. C'est la chaleur, la fatigue et surtout mon mal de dos là qui tire de plus en plus. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao les amis doux, c'est les amis doux.